Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 7ème épisode de notre Let's Play sur A Link Between Worlds sur 3DS. Soyez bienvenue, j'espère que ça va pour vous. Donc nous on s'est quitté la dernière fois, nous sommes près du sanctuaire où on s'est arrêté la dernière fois. Et on avait commencé notre exploration qui sépare les deux donjons. La dernière fois, je rappelle que vendredi nous avions fait la demeure des vents. Et là on est en train de se diriger vers la tour des rats qui est au nord d'Hyrule. La dernière fois on a récupéré deux quarts de cœur, on a également récupéré un flacon, on a loué le marteau, le grappin et le boomerang. Et on a également, si je ne dis pas de bêtises, obtenu... Non. On a également obtenu le gant de puissance qui nous permet de soulever les petits rochers. Aujourd'hui, on va récupérer les deux quarts de cœur qui nous manquent. Et on va faire le chemin qui nous sépare de la tour des rats. Et en fonction du temps que ça nous aura pris, on avisera si on prolonge ou si on ne prolonge pas. Avant de continuer, je vous rappelle que vous pouvez me signaler les moments magiques et les fails avec les hashtags SV, hashtag Epic PIC et hashtag fail et fail, plus le moment exact de le voir ajouter à la compile. Alors, donc maintenant qu'on a le gant de pouvoir de la part du monsieur, on peut techniquement ouvrir l'accès à cette grotte qui nous mène vers la montagne de la mort. Alors, donc du coup, je regarde juste un peu ce que j'ai noté au niveau des quarts de cœur, parce qu'il m'en reste deux. Alors, apparemment, après la deuxième partie de la grotte, se coller au mur. Ok, regarde, quart de cœur récupéré après la deuxième partie de cette grotte. Et on a des mini-molles d'or. Alors, je suis en train de me dire, je vais peut-être avoir besoin du marteau. Oh, tu me lâches carrément un rubis rouge, c'est gentil ça. Donne à papa. Tu peux pas donner à papa? Voilà. Surtout que mettre le marteau sur Y, c'est tellement plus un réflexe pour ce qui me concerne. Je sais pas, c'est plus. Je sais pas, ça passe mieux quoi. Boum. Ok, donc première partie de la grotte, on est bon, là normalement on devrait arriver sur à flanc de montagne. Voilà. Ah, puis vous remarquez un petit peu que... Ah bah ça tremble de partout. Alors déjà, un petit coup de marteau par ici pour récupérer avec un peu de thune. Voilà. On va tout péter à coup de marteau parce que je suis un pimpot. Alors par contre, les gros trucs qui sont sur les rochers, voilà, ça altère moyen. Hop. Bon, je pense pas qu'il y ait grand chose d'intéressant, on va juste récupérer de la thune. Oh, tous ces rubis, c'est beau! Attends, là. Voilà, c'est ça la difficulté, c'est qu'on a des rochers qui nous tombent sur la tronche. Du coup, la deuxième partie de la grotte, elle est par où? Elle doit être quelque part dans le coin. Elle doit être là. Attends, c'est un truc. Si j'y vais là, qu'est-ce qu'il y a? Ok, donne-moi des bombes. Hey, le rocher, regarde. Non, c'est bon, vas-y, attends que ça explose, poteau, il n'y a aucun problème. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh. 50 rubis. Eh ben, je les prends volontiers. Fait toujours de l'argent parce qu'on va, comme je l'ai dit, on va avoir besoin de beaucoup, beaucoup de rubis pour cette série. C'est probablement le jeu Zelda qui vous demande de dépenser... Ah, peut-être, non, j'allais dire Breath of the Wild est pas mal dans ce genre-là aussi. Si vous voulez le 100%, ouais, vous allez avoir besoin de shit tonnes de thunes. Attends. Déjà, première chose, on va activer cette girouette. Donc la montagne de la mort, c'est la 7ème. Le mont Ebra, tiens donc! Ebra n'est donc pas un nom inventé de toutes pièces pour Breath of the Wild. Je ne le savais pas, attendez. Si je suis le mur là, j'ai quelque chose. Genre si je vais là-dedans. Alors déjà il y a des. Oh attends, il y a des rubis. Il y a des. Bon, ça les fait, je vais juste les prendre pour me soigner. Mais le coffre là, il y a quoi dedans? Un foie de monstre. Il faudra vraiment que j'aille voir Mamie Magie à l'occasion pour tester ses potions. Enfin bon, vous me direz. J'avoue que je préfère nettement remplir mes flacons de fées. Ah bah c'est comme on dit, hein, qui va à la chasse faire sa place et qui prend Link de dos se prend un... Oh non je te récupère pas toi. Mais voilà, qui regarde Link de dos se prend un coup de marteau. Elle est pas belle celle-là. Ah, est-ce que c'est ici la suite de ce qu'on cherche? Ou est-ce que c'est l'autre? Bon, ouais, corps des coffres un peu partout, je prends 5 rubis. Ça fait toujours plaisir. Oui, tu me diras, on me file 5 balles, je suis content, hein. Bon, c'est sûr, je serais plus content si on m'enfilait 20 ou 50, mais ça, c'est un détail. Bon, ça doit être par ici.
Ouais, ça doit être par ici. Oh merde, j'ai mis une bombe. Bon, bah, ça fonctionne, les bombes. Ça fonctionne. Mais le marteau, c'est un peu plus radical. Ah merde, les rubis qui tombent. Non, rubis, merde. Ah mais du coup, attends, les rubis qui tombent, ça fait bien tout ça. Hop. Je vais passer par là, vous m'en voudrez pas. Boum. Ok, on va avoir besoin de son muret. Vas-y, vous pouvez passer. 2, 3, c'est bon. J'attends juste d'avoir priorité, moi. Okay. En fait, je me demande si Ravio, genre, il est pas prêt pour dire hey, tu vas avoir besoin de ce prochain objet pour rentrer dans le donjon, donc prends cet objet-là. Et en fait, le jeu, même s'il a une nature très ouverte, il t'encourage à faire les choses dans un certain ordre. Oh, ça nous en fait combien? On en fera jamais que 20. Et je pense clairement que le jeu... En fait, le jeu te donne une espèce... Je dirais pas une illusion de choix, mais il te donne le choix techniquement entre les donjons. Mais... tu peux techniquement... Comment dire? T'es pas obligé de suivre les recommandations de l'avio. Alors ici, j'ai quoi? 20 rubis. Du coup, quelque chose me dit que c'est pas là que je devais aller. Et on vient de noter l'emplacement d'un tigorneau. Donc du coup, on va sortir ici d'après mes notes, parce que le mur est au-dessus d'une grotte. Et suivre le chemin vers le nord. Donc quelque part par ici. Quel tigorneau qui est là. Juste qu'on voit à un moment donné où on peut s'accrocher au mur, c'est tout. Attends, j'ai dit après la deuxième partie de la grotte. Bon, on va continuer, on verra bien si c'est ici ou plus tard. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Bah, dis-moi mon petit, qu'est-ce que tu fais mon petit? Ok. Je vais passer à droite. Sac. Je dois pas pouvoir faire ça, fiche. Saleté radioactive. Ah, là je peux passer ici, c'est mieux. Alors est-ce que c'est là que je peux me coller au mur? Ok. En fait, c'est ici, mais il faut passer par... En fait, c'est la grotte, on la voit, mais il faut passer par au-dessus. Alors, pas pourquoi j'ai mis après la deuxième partie, là, ça va être après la troisième, du coup. Ok, donc il faut encore qu'on prenne un petit peu de hauteur. Genre, comme ça, ça m'a l'air bien. Alors, je sais pas si c'est à gauche ou à droite. Ça a l'air d'être là. Oui, bien. Oui, voilà. En gros, de là, on va... Attends. Déjà j'ai récupéré. Alors techniquement la suite c'est par là. Mais d'après ce que j'ai noté, il faudrait qu'on lâche ici. Parce qu'il y a un quart de cœur. Boum. Il y a quelque chose si je continue dans cette direction. Est-ce que ce serait pas la suite? Est-ce qu'en fait celui-là on n'est pas censé passer devant? Ah non, en fait il y a des fées. J'ai un peu peur de redescendre. Vas-y, maintenant, je suis engagé, on va voir. On apparaît où? Oh, ça va, on apparaît là. C'est pas un gros détour qu'on a fait. Alors, du coup, tu vas... Probablement, faut probablement aller de l'autre côté. On peut faire avec le marteau, on sait jamais. Ah bah non, il y a un coffre ici qui contient... Un foie de monstre. Ouais. Saleté, va. Je me demande vraiment si la sortie sera pas par là. Attends. C'est vrai qu'on pourrait étudier la map de la zone vite fait. Je vais même continuer dans cette... Attends, peut-être si je continue vers la droite. Ah bah oui, voilà, c'est ici. Ok. Donc on va abaisser les pieds. C'est pour ça que l'avio nous recommandait le marteau. Et on va activer la girouette de la tour des rats. Mais nous n'allons... On va déjà sauvegarder, mais on va pas aller vite parce qu'on a encore un quart de cœur à récupérer qui devrait nous prendre quelques minutes. Pas tout de suite la pause, cher monsieur. C'est bien, mais je vais continuer, moi. Alors, donc il faut qu'on trouve un panneau. Ça parle de quoi, là? Enfin, la carrière de ressources. Voilà, c'est par là qu'on doit aller. Et c'est aussi pour ça que c'était recommandé de louer le grappin. Alors, le grappin... Voilà, pour traverser ici. Oh, regardez, des linelles. Oh, shit.
Ah, c'est bon. J'avais ma fée. Ok, bon, notre perso, on voit un linel. On se casse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je crois que c'est ici. On va rentrer. Alors. Je crois que c'est par ici. J'ai noté qu'on pouvait récupérer quelque chose par là. Vers la carrière de Rosso. Oui, ça doit être ça. Prends l'idée, ce qu'il va falloir qu'on time les sauts d'une plateforme à l'autre. Comme ça. Comme ceci. Et la plateforme a l'air d'être à droite. Attends, attends, attends. Je vais pouvoir me retrouver. Oh, Linel. À la carrière de Rosso à droite. Ouais, alors non, les Linel, non merci. Ok. Est-ce que je pourrais pas tout simplement passer. Merde. Ça par contre ça pue parce qu'il va falloir que je fasse de la résistance avec les linelles. Hein. Attends, il y a une plateforme là. Merde. Allez, là. Je sais pas si c'est celle-là. Tout à fait, cher canard. C'était pas ça. Yeah. Je suis pas sûr de prendre la bonne direction. Allez, on y va. Ouais. Va falloir qu'on surveille. Et du coup j'ai perdu une fée. Ouais, j'ai perdu une fée. Alors, c'est par où? Go. Boing. Du coup, je vais vouloir aller sur ce pilier là. Au moins sur cette plateforme. Ah merde. Bon, on va attendre que la plateforme revienne. Alors je sais pas du tout si je vais au bon endroit. S'il faut que je prenne celle qui était de l'autre côté avec les linelles. Bon, de toute façon, j'ai les items donc on est bon. Alors je dois aller où? Voir un point de repère. Ok, ce pilier là. Bien reçu. On se pose tranquillou. Je dirais même poète poète. Allez, on va la baisser, je dirais maintenant. Oh, bah c'est bon, j'ai trouvé le quart de cœur. C'est bon, j'ai trouvé mon objectif. Ok, donc faut la baisser plus tôt. Je dirais qu'on va la baisser maintenant. On se met là. Ok, trop tôt cette fois. Par contre, la chute dure à peu près 3 milliards d'années. Et du coup, je suis curieux de voir ce qu'il y a de l'autre côté avec les linelles maintenant. Allez, amène-toi petite plateforme, voilà. Qu'on va le mettre. Maintenant, ça m'a l'air bien. Et voilà le travail. Voilà, là, on a récupéré tout ce que je voulais récupérer avant de rentrer dans le prochain donjon. Alors maintenant, il va falloir timer le retour. On va se concentrer un petit peu. On va s'y aller maintenant. Ok, on est pas mal. On va se mettre là pour timer le retour avec cette plateforme là. Et ensuite on va descendre là. Puis sur la plateforme du dessous. Quand même aller faire un tour pour voir ce qu'il y a de l'autre côté des linelles. Et après je pense qu'on reviendra du côté de la tour des rats et on s'arrêtera devant. Ça fera un épisode un petit peu plus court, pour ça je fais un peu plus d'exploration. Mal, bande d'enculés. C'est ça, faites-vous mal entre vous. Ah, attends, moi j'arrive d'où? J'arrive de là. Allez, on fait le tour et on prend cette plateforme là. Parce que le Rosso il a quand même une sacrée carrière. Allez, on passe par ici. Il va falloir qu'on fasse gaffe, il y a des. Je vois une scie circulaire en bas. Je savais pas qu'on était passé de Zelda à Super Meat Boy. Je vais à droite. Il y a plusieurs chemins, mais je vais voir ce qu'il y a dans tout. C'est quoi? Puisque je vois une sortie à droite. Remarque, attends. Je dois pouvoir revenir. Il y a les plateformes qui vont, qui viennent. Alors qu'est-ce que j'ai si je vais par là? Ah, d'accord. Tout ça pour un Tigorno. Tout ça pour un Tigorno.
Allez. On va remonter, on va aller à gauche cette fois. Et sinon, on fera le chemin de... Ah, il y avait encore une plateforme qui partait vers la droite. J'ai envie de voir où elle mène, celle-là aussi. Voilà, à gauche. Puis tout droit. C'est une sortie, là? On dirait bien que c'est une sortie. Alors, qu'est-ce qu'on a de ce côté? On va traverser, hein. Oh, bonjour. Aïe! Je faisais de l'escalade quand j'ai dérapé et je suis tombé. Je crois que je me suis foulé la cheville. Eh, hey, c'est mon message dans un flacon, ça veut dire que tu m'as apporté ce que j'ai demandé. Non, tu n'en as pas. Je... C'en est fini de moi, je vais succomber à mes blessures et pourrir ici comme du vieux bois moisi. J'ai noté ça dans ma liste qu'il fallait le faire, laissez-moi regarder. Alors, tac tac, attends, ça c'est pas fait. Ceci, j'ai pas fait non plus. Ça non. Attends, je vois pas du tout. Attends, j'ai simplement cherché lait. Car me trouver introuvable. Sérieux? Bon, ça doit être important si je l'ai noté, mais quand même. C'est particulier quand même, hein. Bon, au pire, on fera ça plus tard. Je sais pas si ça a une quelconque importance qu'on fasse ça maintenant. Bon, on le fera quand même, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Mais tout ça pour dire que... En fait, je sais surtout pas combien coûte le lait, donc ça nous mettra peut-être dedans en termes de thunes. Enfin, dedans. C'est-à-dire que l'argent, c'est pas franchement un gros problème dans ce jeu. Enfin, l'argent. Les rubis! Il y avait encore un coin où j'aurais voulu aller voir. On était arrivé par la partie nord de la plateforme. Maintenant, on va aller voir ce qu'il y a du côté est. C'est-à-dire qu'il faut encore qu'on joue à Essive le Linel. En même temps, pourquoi j'ai mis qu'on pouvait aller chercher ce quart de cœur maintenant? Parce que je voulais des trucs à faire, écoutez. Hein. Voilà, je vais attendre la plateforme tranquillement ici. C'est vrai que si la plateforme est par là, c'est peut-être une bonne idée de se peinturlurer là. Ok. On descend, c'est loupé. Ah, c'est con, j'aurais presque. Je serais presque atterri sur la plateforme. J'aurais presque atterri sur la plateforme. Alors, on y va, je pense, maintenant. Nice. Ok, on va y aller. Maintenant. Ok. On va y aller maintenant. Oh, je suis passé à ça, monsieur l'arbitre. Oh, il a franchi la ligne, il y a but là. Vas-y, je refais un essai. On va y aller maintenant. Boum. Et ensuite, maintenant. Beaucoup trop tôt. C'est juste dommage que tu puisses pas atterrir sur les petites plateformes, genre ça te fait la petite fin de genre t'as vu, t'as réussi, t'es pas un caca. Bon, je pense que si je descends en dessous de... On va dire que si je descends à 3 coeurs, je laisse tomber pour le moment. Voilà. Ok. Non, encore une fois, je touche le... Wow. C'est comme avec le canard, je touche le coin. Je m'en fous, j'y arriverai. Il y a peut-être rien d'intéressant, mais je veux en être sûr. Parce que bon, on a quand même trouvé l'alpiniste, on a trouvé un tigorneau. Allez, go. Ok. Non ! Bon, j'ai encore deux essais. Je m'accorde encore deux essais avant de dire non, j'arrête là. Ça s'est passé. Ah merde! Bon, dernier essai. Dernier essai. Après, je passe en mode esquive de Linel. Quand tu veux la plateforme. Quand tu veux. C'est bon.
petit remaster des grottes de Link to the Past là. Allez hop. Je vais attendre que ça revienne, je vais aller tout droit comme ça. Voilà. Ah non, faut juste que j'atteigne la dernière qui est en bas. Dommage. Bon bah ça sera pas pour aujourd'hui. Comment ça? T'es en train de me dire que je suis vraiment obligé de passer par là pour sortir. Oh shit. On remarque. Sinon il y a une sortie de l'autre côté et j'appelle à Aileen. Oh je vais tellement pas m'embêter. Si je vois que ça passe pas, je sors de l'autre côté, j'appelle à Aileen, elle m'amène à la tour. Y a pas de raison. J'ai débloqué le raccourci, je le prends. Voilà. Okay, donc là, la plateforme s'éloigne. Le problème, c'est que j'ai pas de meilleure vue là. Voilà. Yeah, qu'est-ce qu'on a par ici? Voilà, carte de ressources sortie. Saleté, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, c'est comme ça que t'as les rubis sur les rochers. Tu donnes des coups d'épée. Pour le tactique, tu me lâches ta grappe, merci. Attends, je suis où, là? Oh, punaise, il y a encore des linelles. Non, non, laissez-moi tranquille, messieurs les linelles. Je vous ai rien demandé. Bon, du coup, si je prends cette plateforme là, ça mène à la sortie. Hein. Y a pas de jeu de plateforme. Hein. Pas de timing, tout ça. S'il vous plaît. Oh, nickel. Parfait. Là, du coup, je vais sortir. Est-ce que je peux récupérer des cœurs? Merci beaucoup. Et je vais appeler Aileen tout de suite. Aileen, ma grande. Je prends zéro risque. Allez, direction la tour des rats. Eh ben, si tu m'as entendu, tu m'amènes plus vite que ça, madame. Merci. Allez. On va sauvegarder, parce que vous seul êtes en mesure d'empêcher la perte de vos données, on ne le rappellera jamais assez. Et surtout, c'est sur ces émotions fortes qu'on va se quitter ici, qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Link Between Worlds. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu des familles, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou à parler de la chaîne autour de vous si le cœur vous en dit tout ça. Vous le savez, la petite cloche pour les notifications, ça fait plaisir. Les moments épiques et les faits avec les hashtags associés, vous connaissez la musique. N'oubliez pas non plus d'aller jeter à la chaîne de VOD, dont le lien se trouve en dessous dans la description. Et attendant l'exploration du prochain donjon du jeu, à savoir la tour des rats, je vous remercie encore mille fois de votre soutien. Ne changez pas et je vous dis à ciao, bonsoir.